Et dis pas n'importe quoi comme connerie. Combien de fois on achète du coca en bouteille? Une fois par semaine. D'accord? Alors dis pas que je bois 5 litres de coca par jour. Je bois 2 litres, c'est quasiment sûr. Mais je dépasse rarement les 3 litres. Attends, non, mais laisse-moi finir, d'accord? Le coca et le café. Mais ta gueule, elle me fait chier! Kiff. Ça, c'est de la drogue, je suis désolé. Quand tu prends 1h25 le matin pour aller faire un détour, pour aller acheter un café, là, c'est de la drogue. C'est bien, toi. C'est bien? C'est parce que j'aime bien marcher. T'aimes bien marcher? Marche sur le vélo, hein. Ta gueule! Wow! C'est quand ça m'énerve, non, c'est quand ça m'énerve, là. J'ai hors de gens qui disent n'importe quoi. Regarde ça, là. La droguée. Téléphone dans l'oreille. Café dans la bouche. Mon vélo. Toute seule de la déchambre. Encore fini, hein. Dis donc, il y a de l'exploit dans l'air, hein. Et là, pour gagner 30 secondes tout notre jour à dévisser un tourton de vis, et ben on perd encore fini. Je fais comme ça, je suis assez maline. Mais là on voit le résultat. La fin du parcours. Non. Tu vas confesser? Merci. Non, merci Jacqueline de nous avoir emmené dans un restaurant vraiment pourri. On a payé ça. Quoi? Je pensais que c'était mieux que ça. Hein. Ouais, mais attends, tu me fais faire 3 km pour aller à un truc miteux. Non, mais je pensais que c'était beaucoup mieux. C'est cher, c'est sale, j'ai le cul tout dégueulasse maintenant. On aurait pu aller au Subway. Les résumés. Waouh, presque.